Salut les gars, j'espère que vous portez très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment booster la vitesse de chargement de votre téléphone Android. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne pas rater toutes les étapes. Mais aussi sur ma chaîne, j'ai déjà posté une vidéo sur laquelle je vous montre comment réinitialiser la batterie de votre téléphone. Alors, je vais mettre le lien en description pour que vous puissiez accéder. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos. Alors les gars, pour booster la vitesse de chargement de votre téléphone, c'est très simple. Vous allez juste rentrer dans l'application téléphone. Vous allez taper juste le code étoile 10 9 9 0 0 10 et immédiatement ce code va être lancé. Et bien sûr, si ce code ne marche pas sur vous, ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer la solution. Ici, vous allez juste descendre. L'option qui vous intéresse, c'est Low Battery Dump. Ici, c'est off. Vous allez tout simplement activer cette fonctionnalité et vous allez remarquer un net changement au niveau de la charge de votre batterie. Et bien sûr, cela n'abîme en rien la performance de votre batterie et cela n'abîme en rien votre téléphone. Alors, pour ceux que ce code ne passe pas sur vous, c'est très simple. Vous allez rentrer tout simplement dans les paramètres de votre téléphone. Vous allez descendre. Vous allez venir ici sur batterie de maintenance de l'appareil. Une fois dans batterie de maintenance, vous allez cliquer sur batterie. Une fois dans batterie, vous descendez. Vous allez cliquer autres paramètres de batterie. Et ici, vous allez voir chargement rapide. Vous allez juste activer cela. Et immédiatement, ce code sera activé. Et vous aussi, vous allez recevoir un net changement au niveau de la charge de la batterie. Et bien sûr, vous pouvez utiliser ce code-ci et le code que je viens de mettre précédemment. Et cela n'abîme en rien la batterie ou la performance de votre téléphone. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Likez, abonnez-vous et on se trouve pour la prochaine vidéo.